Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour un nouveau let's play d'un nouveau jeu, c'est House Flipper. Ce jeu, je l'ai découvert il y a quelques temps sur YouTube, je me souviens plus de comment, pourquoi, mais il m'a plu tout de suite et je n'avais qu'une seule envie, c'était de l'acheter pour pouvoir enfin faire moi-même. C'est en fait un jeu de rénovation de maison, mais genre c'est in-game quoi, on fait nous-mêmes avec ce qu'on veut. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des missions au départ pour nous aider à nous aiguiller aussi, à nous familiariser avec le jeu. Et ensuite, on pourra acheter les maisons et les vendre, et c'est ça qui m'a vachement motivée. C'est un jeu qu'on a déjà vu pour les autres joueurs de Sims, donc je pense que ça devrait assez plaire à tout le monde. Et moi, j'avoue que j'ai adoré, j'ai regardé plusieurs let's play là-dessus. Et je voulais y mettre ma patte. Donc on est parti, nouveau jeu. Un lit simple, c'est suffisant pour un étudiant. On charge. Et ça, en fait, c'est notre petit bureau. Voilà. Bienvenue dans House Flipper. Dans ce jeu, tu pourras acheter, rénover, décorer et vendre tes maisons. Pour l'instant, tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et de l'ordinateur portable qui est ton centre de commande. Wouh, waouh, waouh. Alors, voyez un peu les détails. On peut pas approcher plus que ça. Si. Regardez, je trouve ça super joli. C'est très très beau. Qu'est-ce que quoi? Utiliser? Qu'est-ce qu'on fait pour utiliser quoi? Ah, d'accord. Non, non, reste. J'avais pas compris qu'il fallait que je sortais. La sensibilité est ouf de la souris, hein, par contre. Ouh! Alors, vous voyez, on va être confronté à pas mal d'ordures de ce genre. Et il suffit de cliquer. Putain, mais c'est très très sensible. Ça va me perturber beaucoup, donc il va falloir que je... Peut-être que je règle la sensibilité, parce que là, c'est trop. Voilà. Alors, on va accéder à notre petite maison. Il est temps d'aller voir sur mon ordi si j'ai des messages. Oui. Oui, eux. Ah oui, ça va être chiant, ça. Oh, c'est ça ma maison? On va le faire, hein. Maintenir pour ramasser. Appuyer pour jeter. Alors, en plus, il y a des clopes. Moi, je ne fume pas. On va rentrer. On va fermer la porte. C'est eux. Ah oui, c'est chiant parce que c'est un peu loin. Oh là 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 là. Oh là, regardez-moi le carnage. On peut pas l'acheter? Ouvrir. Oh! Oui! Pardon, j'avais pas... Faire défiler pour faire une rotation. Maintenir appuyé pour faire défiler. Effectuer une rotation. Puis pour retourner un point précédent. Ok. On va ouvrir aussi la porte de notre magnifique salle de bain. Ouh, putain! Je sais que normalement on peut les vendre, mais... On va mettre ça là. On se regardera faire popo. Super, c'est magnifique. Donc ça, c'est chez moi. Hein? C'est magnifique, hein? Oh, des ordures. Oh là, attendez. Et tac. Tac. Appuyez pour jeter. Ah non, mais voilà, moi j'ai pas besoin de tout ça. Ton ordinateur portable te permet de trouver des chantiers, d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre. Tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison. Mais il semblerait que tu aies reçu un mail pour ton premier chantier. Ouais, BG. Par contre, je pense que je vais aller faire un tour dans les menus. Parce que là, ça commence à être chiant. Non, je peux plus. Faut que je le fasse avant. Utiliser. Ok, c'est parti. Nous avons 25 157 euros. Si seulement c'était le cas. Puis alors, vous voyez même à quelle heure je joue. C'est super. On a Sandra Ziegler. Mon ex est parti avec mon radiateur. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, les radiateurs sont omniprésents par leur absence, en fait. Il faudra remettre des radiateurs dans toutes les baraques. Bah oui, je vous ai dit que j'avais des suivis des let's play. Donc, c'est aussi pour faire à ma sauce. Donc, j'espère que ce jeu vous plaira et on verra. Alors, mon ex est parti avec mon radiateur. Bonjour, je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais, grâce aux photos de Face Spam, que mon ex, pour se venger, est rentré par effraction chez moi, qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison
et de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qui s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex-ami quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. Nous allons donc accepter. Ouf! C'est ça? Ah oui, en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de crasse. Ça, je vais vous le dire direct, c'est vraiment très, très dégueulasse. Tu as débloqué le balai espagnol. Bah, j'ai rien fait, mais bon, tant mieux. Félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Alors, faut savoir que pour l'instant, le landscaping n'est pas disponible, donc tout ce qui est jardin, mais qui sont en train de. L'équipe du jeu est en train de le finaliser. Donc bientôt. Pfff, bientôt on pourra faire du landscaping. Et ça, c'est ce qui m'a motivé aussi encore plus de jouer. Alors voilà l'état de sa baraque. Et Lex, il s'est bien fait plaisir. Hein, là, franchement, on est d'accord. On peut pas. Attendez. Oh là là, cette sensibilité. Elle fait mal. Pour jeter, appuyer pour jeter. Ouh, ta tablette. À partir de maintenant, tu as une tablette à ta disposition. Appuie sur tab pour la sortir de la. Ouh là, j'ai pas la tablette. Pas la lampe. Elle te permet d'acheter des objets. Ce sera utile pour son chantier. Oui. D'accord. C'est quand même sacrément cracra. Ah, voilà, je peux virer. Par contre, c'est vrai que c'est maximisé. En fait, on sait qu'on ne peut pas y aller. Tac, tac, tac. Maintenant, il faut qu'on nettoie. Enlever les ordures. Alors, les ordures ne sont pas toutes enlevées. Ah ouais, il y a des deux canettes encore ici. Je vais doucement parce que. 100% des ordures. Vous voyez, sur la droite, il y a les objectifs. Pour l'instant, on a gagné 150 euros. Si j'ai envie de finir maintenant, je finis maintenant. J'ai gagné 150 euros. Et il faut donc nettoyer les salissures et monter les équipements. Étage dans les autres pièces, il faut faire encore deux autres choses ailleurs. Comment je fais pour nettoyer déjà? Alors, utiliser l'outil, changer d'outil. Ah ouais, c'est ça. Ouh! J'aurais jamais été aussi bonne fée du logis que dans un jeu vidéo, je pense. Ah oui, d'accord, faut maintenir. Tac, tac, tac. Non, là, c'est bon. On va nettoyer là. Regardez, c'est miraculeux. Tout se nettoie, même à distance. Ah non, là, peut-être pas. Je sais pas ce qu'il a fait, Lex, mais en tout cas, il a bien cradossé la baraque. Mais il n'y arrive pas à... Sur le canap, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, on va remettre en place après les chaises. Tu te développes. Allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de capacité que tu viens de gagner. Ah. Vision perspicace. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. C'est tout? Ok. Mais vous voyez, maintenant, je ne sais pas si j'avais la minimap avant, j'ai complètement zappé de regarder, mais. En tout cas, maintenant, on peut faire. On voit les taches, en fait. Les petites taches noires, bah, c'est les taches. J'arrive pas à les nettoyer. Ah, il faut que je sois plus haute. Voilà, et là aussi. Bah vas-y! Ah, voilà, j'ai 100% des salissures de nettoyer. En fait, on n'est même pas obligé de reprendre les tables à tout. On va le mettre là. Oh! Cette sensibilité me tue. Oui. Oh, parce qu'on est bien élevé, hein. Alors, on va faire une petite rotation.
On va la mettre, si j'arrive à la poser. Non. Ouais. Mais non! Petite rotation. Ah non, je peux pas. Ah, en fait, je peux lâcher. Ah oui, c'est bon, je commence à comprendre. Ok! Voilà. Ah, on va penser quand c'est la nénette. Tiens, on va te mettre là, toi. Pourquoi on est repassé avec le balai? C'est pas grave, on va y aller, ouvrir. Il y a des... Attendez. Voilà, tac. Oh, c'est mignon. C'est un peu cracra, mais... Puis on dira pas qu'on est monté sur son lit à la dame, hein. Voilà, là j'ai fait tout ce qu'il fallait dans cette chambre, parce que il y a son radiateur. Voilà, on va encore. Voilà. Encore, je trouve que ça aurait pu être plus sale que ça, la salle de haut. Hein. Elle est meilleure que celle chez moi. Hein. Par contre, c'est moche ça. Ça se nettoie pas. Ça ne se nettoie pas! Très bien! Et là, c'est quoi? Je pense que c'est la porte pour dehors. Ouais, d'accord. On va fermer, on s'en fout. Pareil là, on va fermer la porte. Hop! Et ici, il faut monter les équipements. Ok, on va faire la tablette. Ah, magasin! Et vous voyez, on a tout plein de choses. On a les appliques de machin, des meubles. C'est quoi ça? Une chambre d'enfant. Des bureaux, des canapés, des carrelages, des carrelages murales aussi, des chaises, tout ça. Ouais, il y a le choix quand même de faire plutôt des trucs sympas. En tout cas, ben, quand on aime bien les Sims, c'est qu'on aime bien faire des constructions et des décorations. Je pense que ça peut être assez intéressant, ce jeu. Il faut électroménager? Non, c'est installation, je crois. Oui. Un petit radiateur. J'espère que c'est la bonne taille, j'ai pas regardé avant. Oui, alors. Eux installent. Et c'est là que c'est un peu bizarre. Ah d'accord, il faut rester cliquer dessus. Donc en fait, oui, on installe carrément vraiment le bitonio. Là, il faut que je reste appuyé dessus. Je reste appuyé dessus ici. Puis je reste appuyé dessus ici. D'accord. Et ben voilà, on a installé un... Regardez, on est à 100%. On a gagné normalement 655 euros. Ici, on est nickel. Bah écoutez, je pense que la première mission est terminée. On remettra ses bougies elle-même. Hein. Terminer la mission. Entrée. Tu as réalisé 100% du chantier, tu peux le terminer maintenant pour... Bah, je vais le terminer, oui, ce que j'ai terminé. Voilà. Et voilà! C'est cool! Et on a gagné, on a réussi le premier contrat. Hop! Notre maison est toujours magnifique. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on peut pas supprimer... C'est quoi good work takes hard work? Ok. Oh, cette porte magnifique. Je referai bien la maison. De toute façon, je pense que je la referai. Hein. On va pas se leurrer là-dessus. Je sais plus si ça c'était propre ou sale. Ouais, si, il y a de la crasse. Hein. On va rentrer, on va fermer la porte. Et on va s'attaquer à notre maison qui craquera. On pense le riz, on n'est pas des très très propres ici. Les murs et tout, mais en fait non, parce que après une fois que c'est vraiment crade, genre les carreaux et tout, il faut...
J'avais pas vu, il y a plein de traces de crasse. Mais alors pourquoi ça marche pas là? Ah oui, parce qu'il faut que je pointe. Ouais, bah écoutez, hein, j'apprends encore moi. Hein. J'ai beau avoir vu des let's play. Ouh, la belle tache sur le plafond. J'ai beau avoir vu des let's play, c'est pas moi qui jouais. Donc je, pour les, tout ce qui est contrôle, effectivement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est bon, maintenant vous arrêtez de râler, hein. Ah, y a encore. Sur le rebord de fenêtre. Il y a de la bonne moisissure des familles. Non? Si? Ah, le plafond, il n'y a plus rien. Tu peux acheter chauffage de salle de bain et l'installer ici. Ah. Ah ouais. C'est celui-là. Je suis fascinée. Ah ouais, de toute façon, si vous cliquez pas au bon endroit, il va vous le dire, donc... Et voilà, on a installé notre... Ah, il y a une toile d'araignée ici, c'est pour ça. Voilà, j'ai nettoyé ma salle d'eau. On est content ou on n'est pas content? Ah oui. On va refermer. Bon, à l'intérieur, vous voyez que j'ai pas encore fini. Ben non, il y a des traces de... On va nettoyer la maison quand même, c'est pas possible. Attendez, ouais, il faut que ce soit... Ah ben non, c'est bon, c'est nettoyé. Il y a une grosse tache là-bas. Ok. J'avais pas vu la grosse tache de café. Bah. Sur le siège. Ouais, quand même, on n'est pas des sauvages. La toile d'araignée qui est là-bas. Ici, c'est bon, c'est clean. Par contre, il me faudra aussi un chauffage aussi. D'accord. J'essaie de voir où il y a des saletés. Là devant moi, effectivement. Sur mon pas de porte aussi. J'aime bien. Ah oui. Cette maison commence déjà à respirer un peu mieux bah, respirer mieux tout court, quoi. Bon, pour l'instant, c'est pas l'épisode le plus fou, hein, je vous l'accorde. Je découvre en plus, donc là, droit devant, il y a une tache. Ouh. Attendez. Je ne sais pas. Après, c'est à l'extérieur, les taches. Mais oui, il était planqué sous le truc, mais depuis tout à l'heure, j'essayais de la voir, j'arrivais pas à la voir. Ok! On a donc nettoyé un peu la maison. Et je sais que... On va réinstaller encore le radiateur par contre. Oui, alors tab. Je crois que là c'est un grand radiateur. Ah non, 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 non. Annuler l'achat, ok. C'est un radiateur comme ça. Je peux pas le mettre. Ah, je pense que c'est à cause du lit. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'annule. Ok. Hop, on va mettre le lit ici. On va refaire l'achat. Oui, voilà, on va y arriver.
Bon, on dira que c'est un jeu pour se détendre. Hein. Faudra pas se prendre la tête. Hein. Je vous raconterai des histoires. Pièce multifonctionnelle 16 mètres carrés. Oh, mais ce lit, c'est tellement affreux. Moi, j'ai pas envie de dormir là-dedans, hein, je vous ferais dire. Ouais, bah c'est à cause de. Bon sang! Vous me gavez! Non, alors. Oh là, non, c'est bon, c'est pas ce que je voulais faire. Point de compétence disponible. Attendez, je vais remettre le lit. Ah oui, je peux faire roter. Mais tu vas te mettre dans le coin, oui ou pas? Oh la galère! Oui, il veut bien là. Il voulait bien. Attendez. Ah, et là, il n'y a pas le bébé move object. Hein. Ok! On a fait un semblant de rénovation dans notre maison. Et si je dis pas de conneries. Amélioration. Non, c'est bon. Alors, la caméra. Les statistiques, on a acheteur. Ça, c'est nos clients pour quand on aura d'acheter des maisons. Magasin. Et est-ce qu'on peut. Peinture. Blanc. Oui. Ah mince, j'ai pas encore disponible. Ça sert à rien. Je vais mettre là-bas. Je voulais repeindre, mais on n'a pas encore accès à la peinture. C'est pas grave! Ce n'est pas grave du tout. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet premier épisode de House Flipper. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas. Là, si vous avez trouvé ça nul, c'est normal. C'est le tout premier. Et moi aussi, je découvre la façon d'utiliser le jeu. N'hésitez pas à revenir pour voir l'émission et surtout quand je ferai les rénovations des autres maisons qui seront à acheter et à vendre. Là, je ferai un peu nawak avec des décorations simples. Sympathique, des couleurs, des thèmes peut-être, et tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!